Pour moi, les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Les taux de troisième carton, on gagne tout le temps 16 à 9, ils mettent seulement 9 points. On voit dans le premier, que ce soit, enfin, premier, deuxième et dernier carton, ils mettent 24, 26 et 25 points. C'est, pour moi, c'est le problème des gars, c'est la défense. On travaille avec eux, je pense qu'on se met, je ne sais pas si on se met plus de pression pour les matchs, mais en tout cas, on a fait une très bonne semaine d'entraînement. On a su relever la tête après le match contre Paris, en tout cas, l'entraînement. Une vraiment très, très bonne semaine d'entraînement, dès le lendemain du match contre Paris d'ailleurs. Maintenant, on n'arrive pas à retransmettre sur le terrain ce qu'on fait à l'entraînement. C'est toujours des problèmes défensifs. Moi, en tout cas, je ne vais pas parler de l'attaque, je vais parler sur l'attaque. Ce qui me choque le plus, moi, en tout cas, individuellement, c'est la défense. Si on peut pas, enfin, je ne comprends pas comment on peut faire un carton. En montant la pression, on arrive à faire un carton où on se prend que 9 points. Et après, dans tous les autres cartons, on se prend plus du tout. C'est pas normal. C'est qu'il y a une erreur quelque part. Je sais pas si c'est de la volonté individuelle ou quoi, mais il y a une erreur quelque part. Beaucoup de frustration parce que, on va dire que l'année dernière, on a commencé sur deux défaites, on s'est bien rattrapé, mais cette année, on n'a pas le même groupe que l'année dernière non plus, parce qu'on n'est pas autant que l'année dernière. Beaucoup de frustration. Moi, ça me fait un peu peur quand même pour la suite du championnat pour le moment. Après, j'espère qu'une chose, c'est qu'on va réussir à relever la tête et gagner en tout cas le prochain match, aller chercher. Ce serait bien qu'on aille chercher une victoire au moins. Ça va être difficile, mais en tout cas, ce serait bien. Ça nous ferait du bien au mental à tous et ça nous permettrait de repartir sur des bonnes bases.